comme si j'étais vierge, tu vois, parce que ça fait 3 mois que j'ai passé des concerts, parce que, ouais, ne m'interromps pas. Parce que normalement, en fait, on avait dit j'étais plus en tournante. Et après, on m'a dit, ouais, mais tu peux faire des concerts en Belgique. Et j'ai dit, mais en Belgique, c'est pas des concerts, c'est un pèlerinage. Alors, je peux en parler aussi. Je suis très contente d'être là ce soir. Et je suis déjà venue dans ta ville, j'allais dire dans ta belle ville. Et puis après, je me suis dit, non, je commence à moquer tout de suite, tu vois. J'étais déjà venue et j'avais joué dans le tribunal, tristement célèbre, ouais, des connaisseurs dans la salle. C'était vraiment très émouvant pour moi. Alors, je me dis quand même, comme ça fait un petit moment que j'ai pas chanté, il fallait que je commence par un truc, tu vois, qui me mette un peu en confiance. Du coup, je me dis, je vais pas commencer toute seule. Je vais commencer avec tous mes copains. Comme ça, tu vas moins faire ton malin. Genre, ouais, toi, tu n'es que un et nous, on est plein. On peut moins te la raconter. D'accord, Arlon. Alors, mes copains, ils sont un peu comme ça. Peut-être tu les connais. Connaissez-vous l'histoire de Jacques le Nain qui en a fait marre de faire face avec sa main? Alors un matin, il décide de sauter le pas et s'en va chez les butins claquer son frère et ça. Mais à peine sorti de sa maison, il tombe lamentablement sur son bon voisin Léon, tombé de son fauteuil roulant. Jacques lui dit, oh, Jacques, grand seigneur,